Bienvenue sur Eurosport pour le mois du triathlon. On peut appeler ça le mois du triathlon car sur ce mois de juin, il y en aura des épreuves. Nous aurons le temps d'y revenir. Mais pour le moment, nous sommes à Zofingen en Suisse pour la troisième étape de l'International Triathlon Professional Tour sur laquelle nous allons revenir de quelques instants, le temps de donner les nouvelles du front. Sachez que au championnat de France, c'est Philippe Métion qui remporte le titre et chez les femmes, Isabelle Mouton. Il y avait également le 8e triathlon de Menton avec la victoire d'Yves Cordier devant l'Australien Stephen Foster. Pour nous accompagner aujourd'hui, toujours l'inénarrable Max Malloran de TED Magazine. Bonjour. Qui lui a eu l'avantage de participer physiquement et même en roue libre sur le triathlon, le duathlon plus exactement de Zofingen, car aujourd'hui il s'agit d'un duathlon. Le duathlon, eh bien c'est tout simple, on commence par courir, on prend le vélo et on retourne à la course à pied. C'est une épreuve qui a été fondée en 1989, donc vous avez bien calculé, il s'agit de la 5e édition, créée par le docteur Urs Lindy et son ami Bruno Impfeld. Ce sont deux businessmen qui ont eu un choix assez original dans le choix de la distance, n'est-ce pas Max? Ça fait une précision, s'il y a deux épreuves de course à pied, c'est tout simplement pour éviter les pelotons qui sont, comme en triathlon, interdits. Voilà, on vous donne les distances, 7,5 km d'abord de course à pied, ensuite 150 km de vélo, pour terminer et pour s'achever avec 30 km de course à pied. Voilà, on attaque tout de suite avec le départ de la course dames. Elles vont avoir 3 tours de 2,5 km à effectuer, comme vous le voyez sur votre écran, ce qui fait un total de 7,5 km. Autre aspect très important, il y a 200 000 $ de prix pour se régaler. Et attention, non seulement il y aura 30 000 $ pour chaque gagnant, mais il faut savoir qu'il y a un prix spécial qui va être attribué, nous y reviendrons tout à l'heure, entre l'écart homme et l'écart femme, à savoir si l'homme arrive à rattraper la femme compte tenu de l'écart qu'il y avait l'année dernière, c'est-à-dire de 36 minutes. C'est-à-dire que les hommes vont s'élancer maintenant à 36 minutes des femmes. C'est très important car si le leader de la course homme rattrape la femme, eh bien il prend 10 000 $ de plus, ce qui n'est pas plus mal. On se retrouve tout de suite en forêt. Max, la forêt. Parlez-nous de la forêt. Ben avant la forêt, déjà, il y avait une côte en bitume assez terrible. C'est Caroline Hubbard qu'on a vue, qui est très, très, très jolie, comme on l'a déjà apprécié plusieurs fois, puisqu'on l'avait vue à Bordeaux. La forêt, ben, ça surprend un petit peu, bon, parce que d'habitude, les coureurs empruntent le bitume. Et puis là, bien, c'est pas plus mal, parce que dans la forêt, on est à l'abri du soleil. Voilà, Caroline Hubbard, qui avait terminé 9e à Sainte-Croix, une des épreuves que nous avions diffusées de l'International Pro Tour. C'est une Canadienne de Montréal, Québec, 26 ans, qui n'est pas inconnue puisqu'elle s'entraîne assez souvent en France. Oui, l'an dernier, elle est venue à Saint-Paul-Trois-Châteaux, on en avait déjà parlé. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'il y a trois boucles de course à pied. Alors, elles repartent, là, vous voyez, elles viennent vers le boulot, et elles repartent à nouveau pour la côte qui fait au moins 500 mètres. Je vous assure que même en marchant, on suit à grosses gouttes. Voilà, elles repartent dans la côte. C'est assez terrible et c'est formidable pour les spectateurs puisqu'ils les voient trois fois 2,5 km. Voilà, dans ce pack de tête, vous avez reconnu Caroline Hubbard, Jolly White, il y a également Joy Hansen. Avec donc cette côte, effectivement, il faut faire attention car les caméras écrasent un petit peu les perspectives. Voilà la fin de la côte. Voilà. On voit très bien donc les efforts qu'elles ont à produire. Alors le dossard 4, c'est Julianne White qui a fait deuxième à Hawaï l'an dernier. Donc une spécialiste des longues distances. On a vu également Donna Peters. On peut préciser aussi une petite anecdote, c'est que ça s'appelait le Power Man et que maintenant on a rajouté dans le logo un WO pour tout simplement ne pas oublier les femmes et ça fait Power Woman. Alors on l'a vu également que le terrain était relativement gras comme disent les turfistes, cela veut dire qu'il avait plu récemment. Non, mais c'est dans une forêt où il y a beaucoup de camions qui débardent et cela fait évidemment de la boue avec un petit peu d'eau, mais il n'avait pas plu. Voilà, il faut également préciser que nous sommes à 7h du matin et je crois qu'il n'y a que dans un pays comme la Suisse ou éventuellement l'Allemagne ou l'Autriche, on peut voir autant de monde à 7h du matin pour acclamer les coureurs qui sont dans un effort quand même assez spécial à 7h-ci. Imaginez la même chose sur la France, mais comme on a des amis suisses et belges qui nous écoutent également, je crois que c'est important à souligner. Là, nous sommes à la transition. C'est en rouge, c'est Thea Sibesma, la Hollandaise, qui vient de remporter d'ailleurs l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Et surtout, c'est sa d'Australie, dernière course. J'ai fait une petite erreur d'Australie. Et c'est surtout sa dernière saison. Course. Oui, effectivement, puisqu'elle va. Son dernier duathlon de Zofingen. Elle va réenchaîner ses études médicales pour devenir chirurgienne. Et c'est donc sa dernière course, Sibesma. Alors, Sibesma est suivie par Liz Dunning, là, qu'on voit qu'il y a quelques petits problèmes. Et devant elle, Julianne White. Alors, la main sur sa montre en bleu, là, qui s'élance au milieu, c'est d'un. Précisons, c'est carrément le départ homme, oui. On le rappelle, parti 36 minutes après et il y a donc un prix de 10 000 $ pour la première personne qui arrive à rattraper
la concurrente femme. Si vous faites bien les calculs, il faut savoir que le premier homme va toucher 30 000 $. Et s'il réussit cet exploit, ça lui fait 10 000 de plus. Ça lui fait 40 000 pour le week-end, ce qui n'est pas mal. On attaque maintenant avec la course où il y a quelques gens que l'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les autres triathlons. Il y a notamment le Sud-Africain Ben Van Vooren qui avait terminé 16e l'année dernière. Quelques Japonais également que l'on a pu apercevoir, notamment Yamamoto Kayuyuki, on ne les oublie pas. Ils ont toute notre amitié. Et on attaque maintenant la première côte. Voilà un concurrent suisse, Pierre-Alain Frossard. Et puis, ce petit homme-là, il a fait Benjamin 2h19 Paradis. Sur le marathon quand même. Hein. C'est un sacré client. 2h12 exactement, c'était sur le marathon de Mexico. Ah. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui arrive très très entraîné sur Zofingen. Avec, vous l'avez vu derrière lui, il y a Ken Souza, Mark Allen, Urs Delsberger. Et nous arrivons tout de suite à la fin du premier tour et on enchaîne tout de suite dans le deuxième tour. Vous voyez que ça va très très vite. Même si le caméraman dit avec son accent suisse, moins vite. Et regardez la cadence de Benjamin Paradès. Visiblement, il a l'air d'être en forme. Bah, il est très impressionnant en course à pied, il est très facile. Et puis en plus, c'est un Mexicain qui a l'habitude des côtes. Parce que bon, je peux vous dire que sur le plateau mexicain, c'est pas évident. Mais c'est pas lui qui va faire le plus mal. Là, on voit la pop star Ken Souza qui a gagné déjà le Powerman. Et puis Mark Allen. Mark Allen qui, l'an dernier, avait promis, avait dit je reviendrai. Il en avait bavé, il avait dit je reviendrai cette année, mais ça sera pour gagner. Greg Welch. Greg Welch, regardez Paradès. Alors Paradès a un problème. Là, il est parti un peu fort. Et il a crevé une basket dans la foulée. Il est peut-être parti un peu chaud. Ouais. Il n'est pas tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul, mais là, coup de chapeau encore quand même. Ce concurrent a 55 ans. 55 ans. Et là, je crois qu'il faut vraiment tirer le grand coup de chapeau car il y a des concurrents qui sont assez impressionnants dans cette épreuve. Je me souviens que sur les 7-5, Greg Welch, au bout de 5 km, a rattrapé. Quand il a entamé la dernière boucle, il avait déjà rattrapé les derniers concurrents. Vous imaginez ? Et ce n'est pas le seul à souffrir, il y a également, on ne voit pas encore à l'image, Jürgen Zak, le vainqueur de l'an passé de l'épreuve. Ken Souza, l'image, hein. Ken Souza, le grand spécialiste, avec Mark Allen. Voilà, Jürgen Zak, victime d'un virus, et selon les organisateurs, il aurait peut-être eu des problèmes d'assimilation. En tout cas, il abandonne au premier tour. C'est très grosse déception pour Jürgen Zak. Là, on a vu Greg Welch passer à la transition. Et l'Américain Michael Tobin, qui n'était pas très connu, évidemment, sur le triathlon, parce que c'est un duathlète. Hein. Et regardez surtout Mark Allen. Ne le quittez pas des yeux. Vous allez voir à quelle vitesse il va effectuer sa transition. Vous l'avez vu passer. Regardez-le, il est déjà sur son vélo en train de pédaler, alors que les autres sont en train pratiquement de se changer. Regardez comment ça part pour Mark Allen. Mark Allen, bien évidemment, avec le numéro 51. Les histoires de numéros, je pense qu'on aura le temps d'y revenir sur le triathlon de Nice. Oui. Mark Allen, c'est intéressant de le voir ici parce que notez bien les images et je crois qu'il faut enregistrer sur les cassettes. Parce que... On va marquer une première pause, Max, on se retrouve tout à l'heure, juste après cette première pause. Troisième épreuve de l'International Triathlon Pro Tour avec Zofingen. Il s'agit en fait d'un duathlon et on se retrouve maintenant avec la course femme dans le lead d'Anna Peters qui avait terminé 4e à Sainte-Croix et puis surtout qui vient de remporter le triathlon de Tampa en Floride, ce qui n'est pas rien. Et on attaque une petite côte, monsieur Max Malloran de Tête Magazine. Oui, une petite côte, il y a deux grandes côtes. Il y a une côte de 3 km et une côte de 6 km. Et je vous prie de croire qu'il faut les prendre trois fois et ça fait très très mal aux jambes. Et on le verra dans le dernier tour, vous allez voir le festival de Mark Allen. Alors on rappelle la distance quand même, 150 km. Après un petit apéritif, pourrait-on dire, de 7,5 km. Là on se retrouve chez les hommes avec Rick Van Hol de l'Afrique du Sud. Il y a Tobin et puis également Mark Allen, suivi de Greg Welch. Voilà, alors en tête Tobin avec le vélo sans barres. De sel et là, puis, ça attaque alors, la Greg Welch, c'est Greg Welch qui est dans la descente, c'est exactement pas de barre de sel non plus. Hein. Ça c'est Ken Souza, donc un ancien vainqueur de l'épreuve. Cinquième à l'heure actuelle sur cette épreuve de Zofingen. On pourrait dire quelques mots sur Greg Van Hol, le Sud-Africain. Lorsqu'il est passé, on n'a pas eu le temps de trop en parler. Il faut savoir que c'est un coureur cycliste professionnel qui a pas mal tourné dans les pelotons britanniques. On l'a vu à plusieurs reprises. Quant à le Finlandais, on l'a vu également passer très rapidement. Tima Vesala, saluons-le, il s'agit d'un biathlète. Les spécialistes du ski nordique le connaissent bien et qui, disons, travaillent la forme.
tout au long de l'été sur ce genre d'épreuve. Regardez bien, c'est très important pour la suite. Il faut savoir que sur cette épreuve, eh bien, la circulation n'est pas arrêtée. Suisse oblige, la circulation routière n'est pas arrêtée et les coureurs sont obligés disons, de s'abstenir, de franchir la ligne blanche, etc., de bien observer le code de la route. Et vous allez voir quelle importance cela aura tout à l'heure. On revient dans le peloton. Avec Marc Allen qui vient de passer Tobin. Et là, on se retrouve avec Donna Peters qui vient de changer un peu ses vitesses. Regardez la position, peut-être quelques mots sur la position avancée qu'elle avait. Normal. Normal. J'avais envie de revenir tout à l'heure sur Marc Allen. Je disais, faut bien regarder ces images-là parce que Marc Allen, c'est la seule course qu'il n'a pas à son palmarès. Et je crois qu'il avait très, très, très envie de la gagner parce que pour Marc Allen, c'est quand même l'heure de la retraite. Et je pense que s'il gagne cette épreuve, s'il gagne Hawaï, s'il gagne Nice, ça sera bientôt fini, donc regardez bien ces images. Van Hult, là justement à l'image, qui a raté son sac de casse-croûte et qui est obligé de faire un écart. Il va le balancer d'ailleurs. Je me souviens, j'étais devant en moto, je crois qu'il va... D'accord, donc il est bien arrivé quelque chose à Zofingen. Et on retrouve Souza qui est toujours cinquième. Et là, justement, j'ai l'impression qu'il prenait un peu l'air derrière la moto. Il était allé se cacher derrière la moto. Ils se connaissent, c'est des professionnels. D'ailleurs, Souza a un petit peu râlé à la fin de la course parce qu'il avait pensé que Marc avait pris les motos pour faire un grand écart, alors que Marc a été toujours très très loin des motos. Voilà, Donna Peters, c'est maintenant qu'il y a 7 minutes d'avance à la fin du premier tour. Là, on se retrouve dans un endroit qui s'appelle Richenthal Church. Alors toujours Tobin en tête, l'Américain. Welch qui est passé à la troisième place. Marc Allen, l'Africain du Sud. Et puis Welch qui a quelques difficultés. Je pense que c'est lui. Oui, tout à fait, c'est Welch. Et on se retrouve maintenant avec une vue aérienne, Donna Peters, sur cette deuxième côte. Deuxième côte impressionnante là encore. Alors justement, elle nous dit j'aime bien cette course. La première côte est un peu difficile, mais c'est surtout bon. Ensuite, il y a une belle descente, mais le problème c'est que la deuxième côte, elle n'arrive pas trop vite. On a juste le temps de récupérer entre temps grâce à cette descente. C'est vraiment la Suisse dans toute sa splendeur. Marc Allen, maintenant, je pense également. On lui a posé la même question et va nous répondre sur ce qu'il pense de ces côtes. Marc Allen qui est passé maintenant leader. Et qui revient sur les premières femmes. Il va être pas loin du cocotier, hein. Parce que c'est sa deuxième participation, Marc Allen, et il dit, lorsqu'on sait que cette course est tellement dure, et si dure que ça, lorsque l'on sait qu'elle est si dure, eh bien on se prépare en conséquence. Et il faut surtout pas négliger la course en vélo. Et moi, l'année dernière, lors de la course, notamment lors de la montée, je me suis fait distancer. Et là, il faut surtout pas se faire surprendre. Et là, maintenant, on va leur poser une question concernant la descente. Le temps de voir Marc Allen qui a rejoint Paula Newby-Fraser. Il y a Tormoen également. Et ils rentrent maintenant dans le pack féminin. Rappelons quand même qu'ils sont partis 36 minutes après. Mais il reste maintenant à aller chercher Donna Peters qui est toujours en tête de la course. Et là, il faut savoir que sur cette épreuve, eh bien, les descentes sont particulièrement impressionnantes. Et justement, après avoir demandé à Marc Allen de s'exprimer sur les côtes, on lui a demandé de parler des descentes. Alors il dit la descente, elle est vraiment très rapide, elle est presque trop rapide. Cette année, ça dépendra, tout dépendra si mes genoux et mon cœur tiennent bien. En tout cas, je garderai bien l'œil sur les gars qui sont devant sur la montée. Et il faut savoir que cette interview, elle a été faite avant la course. Et comme il est en tête, l'œil qu'il a actuellement, c'est sur les femmes. Sur les filles. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi il restait derrière. Mais tout simplement parce que les filles descendent très bien aussi. Hein. Parce que vous avez vu, dans la côte, il ne s'est pas arrêté pour prendre l'air, comme vous le disiez si bien. Voilà, Allen, qui donc derrière Joy Hansen, Yassi Besma. C'est vrai que moi j'ai été surpris, j'ai dit tiens c'est marrant, il passe pas les filles, hein, mais je crois qu'il prend pas de risque, hein, tout simplement. Avec Notolo quand même un cadre assez super pour Zofingen. Ben oui, c'est la Suisse dans toute sa splendeur, avec ses petits chalets, puis alors très propre, très clean. C'est vrai qu'au niveau de la circulation, en général ce que j'ai vu, les gens sont très respectueux des coureurs. C'est pas partout de la même chose. Voilà, on le voit très bien sur ces images, donc le trafic a lieu encore, et ça il faut y faire très attention.
Et il y a des règles très très précises. Donna Peters. Donna Peters qui disait aimer les côtes, et pourtant elle est, c'est une fille qui est très très puissante, ce qui avantage pas hein, en ascension. Voilà, regardez bien ce qui va se passer maintenant. Regardez bien tous les coureurs qui sont de l'autre côté de la ligne blanche, et le shérif, ce que l'on appelle le marshal dans la course, il est sur la course, il va leur donner un carton rouge. On y revient tout de suite après la pause, c'est dans quelques instants pour vous expliquer ce qui se passe. Regardez bien le carton rouge. Voilà, conséquence assez incroyable sur ce duathlon de Zofingen. Eh bien, elles ont passé outre, elles l'ont même fait deux fois franchir cette ligne blanche. Eh bien, le marshal est disqualifié, c'est important. Sibesman, Yubai Fraser et Kerstin Whelan, elles vont quand même continuer la course, mais il faut savoir qu'elles sont disqualifiées. Donna Peters maintenant, à la fin des 150 km de vélo, et là, il va falloir réattaquer avec 30 km de course à pied. Et puis, pas n'importe quel 30 km, parce que c'est en pleine forêt, avec des petites ascensions quasiment à grimper à quatre pattes. Voilà, on vient de voir Donald Peders donc, qui s'éloigne. Et puis Mark Allen qui arrive derrière et qui est à peu près à 8 minutes de Donna Peters. C'est un... Vous vous rendez compte, il a déjà remonté pratiquement les 36 minutes. Et il faut savoir que Mark Allen non seulement court pour la victoire, mais si jamais il réussit à rattraper les filles, eh bien il prend 10 minutes de plus. Il faut savoir donc qu'il a, on n'a pas vu à l'image, mais que dans la dernière côte, à 20 km de l'arrivée, mais il a largué tout le monde et il aura mis quand même plus de 4 minutes hein, sur les 20 derniers kilomètres. Sur un parcours tout à fait roulant. Voilà, Mark Allen qui, à mon avis, derrière dans le maillot, s'est glissé un petit casse-croûte pour la route. Et la suite du peloton qui, effectivement, arrive bien plus loin. Oh, elles ont pris un carton, je pense qu'il a cumulé le tout. Ils ont pris un carton, peut-être pour la ligne blanche, c'est vrai, mais aussi parce qu'elles étaient toujours en paquet. Vous savez qu'il faut au moins 10 mètres d'écart, et vous avez vu, elles étaient constamment en train de jouer ensemble à 3-4 mètres l'une de l'autre. Voilà, on l'a vu à l'instant, il y avait Sibesma dans la zone de transition, bien qu'elle soit disqualifiée, mais elle continue. Elle continue, il faut savoir quand même que le règlement est très sévère. Allen, maintenant, qui est facilement leader, bien sûr, de la course à pied. Alors que là, ne vous y trompez pas, il y a un cheval qui va bientôt être à l'écran. Et là, c'est Paula Newby-Fraser qui se retire. Bon, elle était déjà disqualifiée, mais il faut savoir quand même qu'elle est arrivée avec un problème de cheville. Ah oui, une petite tendinite. D'ailleurs, c'est inquiétant pour Nice qui est à peine un mois plus tard. Et je pense qu'elle va avoir du mal cette année à confirmer, parce qu'il y a des clientes comme justement Whelan sur la promenade des Anglais. Voilà, Joss Evarts maintenant, qui avait terminé 5e sur le vélo. Et justement, pour terminer avec Paula Newby-Fraser, elle a quand même terminé 3e à Sainte-Croix. Et elle aura du mal à reprendre après un classement si effectivement elle n'arrive pas à soigner rapidement. Ben voilà, c'est là qu'il passe au jackpot, notre ami Mark Allen, voilà, qui est vraiment toujours aussi magnifique. Dans quelques instants, il va passer Donna Peters. Et à cet instant précis, Mark Allen est plus riche de 10 000 dollars. Voilà, mais je pense pas que ça soit sa motivation première, mais quand même. Voilà, une côte encore difficile, Downing sur la gauche, Tormoen qui essaie de fonctionner un peu ensemble pour notamment la deuxième, troisième place. Et puis là on voit donc Tobin qui a des petits problèmes de fluide, qui est obligé de s'arrêter à la station de service. Et puis qui va pas tarder à abandonner. Ça a été un grand animateur de l'épreuve. Evert qui passe Peters, troisième de la course. Et en fait, il passe deuxième parce que Tobin va effectivement abandonner. Mark Allen qui est maintenant à quinzaine de kilomètres. Il est à la mi-parcours, voilà, il fait le turning point et il repart dans l'autre sens. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'il reste encore des côtes ou c'est pratiquement que de la descente ? Non, il y a encore des côtes aussi, mais ça descend un peu plus. Le profil est quand même plus avantageux. Parce qu'il la joue tranquille. Hein. Il est allé prendre un petit verre. Voilà Peters qui, elle aussi, va passer à la transition. On voit déjà l'écart qu'il a creusé. On ne verra pas beaucoup d'images de la course à pied parce que justement c'est vraiment des chemins muletiers, hein, on ne peut pas filmer. Alors on verra le début, le turning point. Alors là c'est Kless, ça c'est la grosse surprise. Regarde-le bien, c'est un Belge, chauffeur de bus, complètement inconnu, qui a fait un vélo de folie, qui est revenu pas loin de Mark Allen à une minute à la transition.
Ouais, il faut savoir quand même que Joël Claes n'est pas inconnu en Belgique, tout ça pour nos amis belges qui nous écoutent en ce moment. C'est quand même un très bon cycliste amateur et il fait partie, disons, des deux meilleurs duathlètes en Belgique. C'est quand même quelqu'un qui tourne. Il est champion de Belgique, mais du circuit international, c'est un type qui nous a complètement surpris. Il va rentrer dans le top 10, on dira pas sa place, mais c'est complètement étonnant avec des gens comme Ken Souza, puisqu'il a passé Ken Souza, des gens qui ont 10 ans d'expérience, alors que lui, il conduit son bus toute la journée. Voilà, Marc Allen maintenant, effectivement, Marc Allen qui lui est vraiment un gros professionnel, bien évalué puisqu'on parlait d'argent, à peu près 5 000 $ par an, 500 000 dollars par an plus exactement. Vous voyez ce qui fait que on est vraiment dans du sport professionnel. Quelle image qui tranche avec l'habitude d'Hawaï, hein. Vous avez vu la petite église, la verdure, par rapport à Hawaï avec les champs de lave, c'est pas désagréable. Non, d'autant que Marc Allen souffre beaucoup moins qu'à Hawaï dans ces conditions. Rappelons quand même les distances, 7,5 de course à pied pour commencer, 150 de vélo et maintenant il en est au bout de 30 km. On a l'impression, on n'a pas vraiment l'impression qu'il s'est déjà farci, car c'est vraiment le terme en fonction des côtes et des difficultés. Regardez un peu surtout les spectateurs, on est dans... Voilà l'arrivée. Il est pratiquement sur l'arrivée alors qu'il y a des gens qui n'ont pas fini le deuxième tour, c'est dire un peu les écarts qu'il va y avoir. Et donc il passe dans une ambiance... tout à fait suisse, Allen qui va remporter le gros lot car c'est sa première victoire à Zofingen, vous le disiez tout à l'heure, Max Malorant, et effectivement il n'avait jamais gagné Zofingen et il revenait, le voilà. Et il va même battre le record. L'organisateur extraordinaire qui serre la main à tous les concurrents jusqu'au soir. Voilà, signalons tout. Ceci dit que Allen tourne en 6h19.41 car ils ont vraiment couru toute la journée, même si on n'en voit qu'un petit extrait. Marc Allen bat le record de Scott Molina qu'il avait établi en 91 en 6h20.24, en 6h20.24, donc il améliore d'une bonne minute. Il remporte, et il peut avoir le sourire, la prime, alors qu'on voit Joe Severts qui va maintenant franchir la ligne à la deuxième place en 6h28.57 et pour terminer avec Allen. Donc il se fait une journée absolument fantastique, d'autant, c'est ça, c'est très important, il va prendre la tête de l'ITP Tour pour le moment. Et puis la grosse surprise du jour, vous nous l'aviez dit tout à l'heure, c'est notre ami belge, conducteur de bus, qui en aura des choses à raconter. Voilà, regardez, voilà. Le sourire radieux, Joël Claes, troisième, et puis surtout en 6h29.54, c'est-à-dire qu'il prend vraiment pas une grosse claque par rapport à Joe Sever, car il est à peine à une minute derrière. Très belle performance. Il faut préciser qu'il y avait 20 professionnels sur Zofingen ce jour-là. On voit à l'image Maddy Thormann qui a passé Peters. Petite surprise aussi, dans le dernier kilomètre. Petite surprise également. Voilà Maddy Thormann qui, elle, tourne donc en 7h14.49. Thormann, qui nous a-t-on dit, avait eu du mal à trouver le sommeil à la veille de cette épreuve. Devant Matt Brick, le champion du monde de duathlon, courte distance. Matt Brick qui va faire 8e sur longue distance. Voilà la victoire de Maddy. Maddy Thormann qui était donc trop insoucieuse suite à l'annulation du circuit Coors Light aux États-Unis, qui se demandait comment elle allait gagner sa vie, qui avait déjà envisagé de retrouver un travail normal et qui là s'est trouvé rassuré par cette victoire. Et puis donc l'arrivée maintenant de Donna Peters qui ne finit que 2e en 7-15-58 alors qu'elle a mené toute la course, elle a vraiment fourni tous les efforts. 3e place c'est bien Julian White, 3e en 7-21-31. Je rappelle qu'il s'agit d'heures et non pas de minutes bien entendu. Avec donc ce podium, voilà, je n'ai jamais gagné sur cette course et j'ai jamais eu une course où il y avait autant de monde dans les rues pour nous soutenir et j'ai vraiment une très très agréable surprise. Voilà, elle aussi trouve que c'est absolument fantastique car tout le monde crie partout et c'est vraiment superbe. On vient de voir une épreuve assez extraordinaire sur le duathlon. Moi j'encourage les gens à organiser des duathlons parce que finalement le spectacle est complet et puis il y a des athlètes de renom qui sont sur ces épreuves autant que le triathlon. Parce qu'actuellement il y a des problèmes sur le triathlon à cause de l'eau. Alors organiser des duathlons, je vous encourage à le faire. Voilà, vous aurez toutes les informations bien entendu sur TED Magazine. Voici les résultats après 3 épreuves du classement mondial de l'International Triathlon Pro Tour. Je vous laisse les découvrir pour vous annoncer également que l'on sera sur le triple triathlon du Fontanil là, en compagnie de Claude Lahoussine. Regardez bien vos programmes. Également sur le triathlon de Nice le 23 juin, nous serons également sur Lanzarote, sur le duathlon de Fairford puisqu'on en parle. On se retrouve très bientôt sur...